Eh bien, what's up les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Il y a un petit peu de brouillard, donc on y va tranquillement. Il est actuellement 6h48 du matin, c'est très tard pour Polo et les villes-greniers. Mais ça servirait à rien de se lever plus tard en fait, parce qu'il n'y a que deux villes-greniers. Bah là en fait, on va faire deux villes-greniers. J'ai dormi à peine 3h, voire même 4h grand maximum. J'ai la tête dans le cul, je sais pas si ça se voit, mais au moins, voilà, j'ai la tête dans le cul, je te le dis. Je crois que j'ai même pas besoin de forcer pour mettre ma tête dans le cul, je crois qu'elle rentre directement tellement que j'ai la tête dans le cul. Faut que j'arrête ces blagues de merde. Je suis un faux aujourd'hui. Allez, une petite accélération. Voilà, c'était la petite accélération. J'ai limitation de vitesse, ma gueule, attention. Mais une petite accélération du matin, tu vois, pour travailler. J'ai pas de nouvelles de Coco. On devait se rejoindre à 6h du matin sur un VG, sur un vide-grenier qui est pas très loin de chez lui. Et je lui dis, non, écoute, remettons le réveil un tout petit peu plus tard et voyons-nous à 7h. Aujourd'hui, je tente l'expérience de trouver des jeux vidéo. Même pas d'acheter. Les gars, c'est même pas d'avoir un Neo Geo en boîte aujourd'hui. C'est d'avoir au moins un seul jeu vidéo en deux vide-greniers. Voilà ce que c'est. Là, on va finir très très tôt. Très très tôt. Très tôt. Et très tôt pour les stands. Voilà, elle est très tôt. Coucou, bande de nouilles. Coucou, bande de nouilles. Il doit être peut-être 7h. Oh, monsieur qui respecte le stop, ça rigole plus. Putain, je suis en train de marcher à droite, à gauche, on dirait que je suis bourré, ma gueule. Non, je suis juste fatigué, quoi. 7h des wesh wesh. J'avais une BM série 1. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Oh, le bruit, ma gueule. Mais un coup de graisse, que je t'en donne. Mais un coup de... Mets de l'huile. Petite tête dans la vue. Mets de l'huile. Bonjour. Est-ce que c'est ouvert pour les visiteurs? Non, je paye pas, hein. Il y a un monsieur qui veut payer pour l'entrée. Je veux payer pour l'entrée. Ah, vas-y, on arrive en salle. C'est pas grave, j'ai 1€, je vous le mets là. Prenez votre temps. Ah bah Coco, il voulait me faire un bisou, le Coco. Ah oui, il voulait me faire un bisou. Il est pas réveillé, le Coco, il voulait me faire un bisou. Carrément, il voulait me faire un bisou, le Coco. Je suis plus que je suis perdu. Vous voulez me faire un bisou, le Coco? C'est pas mignon, ça. Je suis carrément mort. Je suis trop mort. Je suis trop tard hier. Je vais vous coucher à 2h du matin. En plus, on a toute la convention à faire. Ouais, c'est ça. Je sais, t'inquiète. Toute la convention à faire. Oh, ça va être le bordel. Putain, la marmotte. Mets le chocolat dans le papier d'alu. Ouais, mais bien sûr. Oh, les matins, je suis ravi, moi. Putain. J'ai chaud patate des matins. Partout en fait. Je sais pas. Partout. Très tôt. Très tôt. Oh, tu es fou avec tes blagues. Je crois qu'ils ont ouvert très tôt. Oh, tu l'as fait. Sérieux. Qu'est-ce que tu peux dire de conneries dans le monde, je te jure. Je vois un sac Micromania, je me dis que c'est bon, tu vois. Mais si, parfait. En fait, il n'y a personne. Les gens n'ont pas encore déballé, mais on a des jeux vidéo. C'est un split pour le PayPal. Voilà. Voilà, t'as compris. Voilà, bon, bah écoute, on s'en va. Ouais, mais c'est mieux comme ça. Best of the best, 3. Football ou Urban Freestyle. Putain, mais sérieux? Urban Freestyle.
Cléopâtre. Barbie. Ah non, Betty Boop. Ah, Betty Boop. La nuit des morts. Catwoman. Jezreel. Combat. Mais t'as eu, fan de foot. Putain, c'était un collecteur ce gars, il y avait un truc derrière. Ouais, il y avait un truc derrière. Bah, pas du tout, wesh. C'est Tintin. C'est pas des Disney. T'as fait Tintin. Une gaffe. Aujourd'hui, je suis à fond. Aujourd'hui, je suis à fond. T'as rien. Bah non, c'est ça la couverture qu'on y a. Il est con ce mec. Non, mais je m'attendais pas vraiment à. T'es con. Je vais vous reprendre ces deux-là. Ok. Est-ce que vous avez un sac ou pas? Oui. Oh, magnifique. Dès le matin, ça réchauffe le cœur. Voilà. Ouf. Merci. Bah, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, vous de même. Et. Mario Kart. Ah ouais, en plus, non. Le perso, j'ai dit. Le Mario Kart, ouais, j'avoue. Donc, les amis, fin du premier vide-grenier, il est quelle heure? T'as ta montre gyroscope? 7h38. On se croit dans 24h chrono, Et, pas du. Enfin, oui, des jeux vidéo, mais pas. De la PS4, de la PS3, de la PS2, de la PS1. L'Xbox. À 5€ pièce. La DS. Total Spies 2. Deux. Et le Cerebral Academy. Ouais. Academy, Star Academy. Oussine. Tu connais Oussine? Tu connais pas? Ah, moi je connais Oussine. Eh, va faire super héros avec elle, pas avec moi. Moi je suis pas un super héros, je te le dis. Alors va le faire avec elle, pas avec moi. T'as compris? Tu viens pas me donner de me faire de la mauvaise. Ouais, tu mets pas ta main sur moi. C'est quoi, mais t'es fou ou quoi? Waouh, je comprends pas trop ce qui se passe là. Poussine pète littéralement les plombs. C'est la guerre mondiale de 78. Ouais, cool. Last time I put down, last time I put back. Last time I put down. Je connais pas celle-là. Moi je la connais, moi. Loana. Ah non, ça c'est Sabrina. Allez, qu'on connaît un boss. Oh, bah, attends, petit pervers là. Donc on va se retourner sur un autre vide-grenier. Coucou, ça va tranquille, wesh? Là t'as fait signe de la tête comme si qu'on me connaît, tu vois. Bon, je sais que je suis connu, mais à ce point, non. Śmierć konfidentą, gram wagatowar. Tu każdy zwykły dzieciak chce być jak ten Escobar. Tu życie na procentach, kurwa pęka głowa. Wciąż liczysz na ten dzień, by zaczął się od nowa. Mowa, nie szpądź, od tego się uchowaj. Podwójnie liczę skurwysyna, który raz faulował. Gdzie ludzie wierzą w Boga, to jedyna przestroga. Od mało lata biegniesz, gdzie zakazana droga. By uciec od nałoga, wytłoczone loga. Samarki, tabletki, nie jeden tu zwariował. Ja rzucam to do bledki, tak by się odstresować. Mało lawki za setki, dają się stestować codziennie świadomość do ty. Eh, coucou, attends, je crois qu'on est perdu. On est à Tourville, les gars. On attend qu'il fait chaud parce qu'en fait il fait. On attend le dégel. On sait même pas où on va. Regardez-moi le brouillard qu'il y a, ma gueule. Non mais attends quoi. C'est même plus. Non mais allô, c'est attends quoi. Non mais attends. Je sais même plus où on va. Bon là, vous regardez un peu le côté, c'est bien, c'est parfait, tu vois. Ça change d'angle par rapport à d'habitude. Ouais, c'est un nouvel angle. Ouais, c'est un nouveau. Oh, en plus, je suis à 2-3 en fait. Oh là, c'est bon. C'est pour ça. Bonjour la voiture, hop. Non mais sérieux, c'est où ça, un Vigor Dimonville en fait? T'habites où? Attends. Ville. Bah oui, mais quelle ville? Bah attends, ville. Oui, mais je te demande la ville, connard. Attends, ville. On est à Tourville. Je suis schizo, ma gueule. Oh, il y a des panneaux. Oh merde, il est où Oh putain, faut vivre en cours, merde. On va s'arrêter, les amis, je crois. On va faire demi-tour. On est perdu. Sors ta boussole. Prépare le casse-croûte, le pâté. On va se foutre quelque part. Genre là. Genre, je sais pas. Ouais, là, vas-y, on s'en bat les steaks, ma gueule. Allez, hop, voilà.
faudra changer les freins et puis les pneus arrière. Eh bien, what's up les amis, j'espère que vous allez bien. Non. En fait, hier, je regardais avec mon téléphone où c'était, là, c'est un Vigor de ta mère la chienne, là. Et le truc, il y a un Pierre, bonjour le Pierre. Et le truc, il me dit, il faut bilan compte, peut-être, alors que c'était marqué... Oh lolo, mais c'est quoi ce blanc? Oh lolo, Goderville. Non, mais what the fuck. Oh lolo. Bon, je vous explique vite fait le cas. Quand le père monte, j'ai honte. Hier, elle m'a dit, wesh, gros, ton vide-grenier, sans vigueur que ta mère la chienne, il est où déjà? Il est à côté de Yébleron. En fait, non. Ah non, non, Polo, non. C'est à l'opposé, ma gueule. Et quand je te dis à l'opposé, c'est... Y a ta mère ici, y a ton père ici, tu vois, et entre deux, y a toi. C'est à l'opposé, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette métaphore de merde. Mais c'est à l'opposé, ma gueule. C'est à l'opposé. L'opposition, tu connais l'opposition entre Marseille et Lyon. C'est n'importe. Aujourd'hui, c'est une journée de merde. C'est pas... Dis-le que c'est une journée de merde. La merde. La merde. Non, mais what, même pas, putain, ma gueule. Mais ça va être de la merde, ma gueule. Ça va être de la merde en boîte, quoi. Ça va être de la merde en boîte, tu vois. Tu prends la merde, tu. Hop, tu la récupères dans les chiottes et puis tu la mets en boîte. Puis après, tu l'avances. Ça fait de la merde en boîte, tu vois. C'est non. What the? J'ai peur des feuilles qui tombent sur mon pare-brise. C'est là, je roule à 60 à l'heure. Hein. Tellement qu'on voit que dalle. Limite, on dirait que c'est Maïté qui a pété pour niquer la couche d'ozone, tu vois. C'est Maïté, pas le genre de Marseille. Hein. Attention, enfin, non, c'est le genre de Marseille. Hein. Tu vois, bonjour, là, nous allons préparer un poulet basquez, hein. Je le fais mal, je le sais, je vous emmerde. Imitateur, Jean-Michel Polo, imitateur. Ouh, et ben, on a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle en fait. Alors, la bonne nouvelle, je sais même pas c'est laquelle en fait, la bonne nouvelle. Mais... On va dormir. Non, moi non, mais toi oui. Enfin, moi non plus, je pense que je vais commencer les rushs des lives là, du truc et puis on verra. Bref, la mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, on arrête les vide-greniers là, on peut plus. Hein. On est. 35 bornes, j'ai pas envie de les faire, en plus 35 bornes aller, 35 bornes retour. On va arriver sur place, il va être 9h limite, parce que on roule à 10 à l'heure, parce qu'il y a du brouillard dans ton regard. Franchement, je crois que le live, vous avez rien vu du live en fait. Et franchement, what the fuck, c'est un camion ça. Ah non, c'est une bagnole. Et Polo, il a peur des bagnoles blanches. Bien. Et donc les amis, bah voilà, je vous dis à tout de suite pour freiner. Yébleron, pas mer. Hein. Donc, je vous dis à tout de suite, les amis. Court compte rendu. Il n'y aura même pas ma tête. Je vous ferai ça à l'arrache. Mais très bon vide-grenier que je vais monétiser, bien sûr, pour gagner de la thune. Ça, j'ai fait du montage. Voilà, ciao, les amis. À tout de suite ou à jamais. Ciao, ciao. Eh bien, salut, les amis. J'espère que vous allez bien. Je suis désolé pour la lumière et tout. Je vous fais ça vraiment à l'arrache. Je voulais juste vous montrer ce que j'ai acheté. On va commencer avec le Austin Power sur... sur le DVD, c'est bien, sur un lecteur DVD. Ça commence bien. Donc voilà, en complet, bien sûr, ça vaut de la thune. Je recherche énormément de films comédies. Si vous avez ça, n'hésitez pas. Enfin, si vous avez des idées de films comédies, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, les amis. Je suis très, très, très mal aujourd'hui. Donc j'ai besoin de films comédies pour me redonner un peu, tu vois, du peps. On a aussi pour finir, alors, c'est des vieux livres. Molière, le Misanthrope, donc c'est une réédition, bien sûr, hein, faut pas que tu sois con, hein, faut pas être con pour savoir que c'est une réédition, quand même, hein. Par contre, je sais pas ça date de quand, mais des années, je sais pas quand, 1900 et des patates. Le Bourgeois Gentilhomme, par la même occasion, toujours, hop, ça fait toujours plaisir de retrouver des livres qui sont assez anciens. On va continuer avec les chefs-d'œuvre poétiques, hop, voici Valou, voici Valou, c'est pareil. Donc effectivement il n'y a pas de jeu vidéo, donc vous pouvez arrêter tout de suite la vidéo si vous voulez. Hop, les griffes du dragon, par la même occasion, ça fait toujours plaisir. Alors là on a vraiment des choses exceptionnelles, je trouve, pour trouver ça en vide-grenier. Alors pour certains ils vont dire ouais c'est que des livres, on s'emballe les... Hein, voilà.
mais trouver un livre de 1900, alors je sais pas si c'est là, 1932, une petite, un petit truc, attends, hop, voilà, offert par je sais pas quoi, en 1934, on peut le voir, il est pas en très très bon état, mais ça fait vraiment plaisir. Alors je ne pense pas que ça t'a coûté super cher, mais avoir un putain de livre de 1932, c'est complètement what the fuck. Et par la même occasion, donc ça vient de du grand-père ou de l'arrière-grand-père de la dame à qui je l'ai acheté, c'est Coco de France, Flammarion, hein, les éditeurs. Et la chose qui est assez marrante, c'est qu'en fait, c'est écrit par son grand-père, donc là, vous voyez, une dictée. Je ne pourrais pas vous la lire. Maman et papa... Ah ouais. Maman et papa vont au marché acheter... Je sais pas quoi. Des oranges. Des spores... Des... Je sais pas. Des... Je sais pas. Et des... Je sais... Mandarines. Ça, c'est bon. Papa va au cinéma... Avec un T. Bravo. Putain, il savait écrire. Va au cinéma... je sais pas quoi. Dans le trou. du cabinet. Je sais pas quoi. Maman va à... Je sais pas quoi. Achète une carte... Je pense. Un tablier. Des. Je sais pas quoi. Elle. Maman. Je sais pas quoi. Donc voilà. Et Dada. Je sais pas pourquoi il a marqué Dada ici. 10 sur 10. Il s'est noté lui-même. Hein, 10 sur 10. Donc peut-être qu'il s'appelait David. Et je sais pas. Je sais pas. Mais ça fait vraiment bizarre de retrouver ce genre de choses-là. Enfin, moi je trouve. Et là, pareil. Un petit bateau. Tout petit bateau ici, qui est très 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 bien fait, bien sûr. Et puis, bon, je sais pas, la personne avait été, je pense, très 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 jeune. Hein. C'est marqué Odile, dictée, papa, maman. Alors, je sais pas pourquoi c'est marqué Dada, là, et là, Odile. Maman et papa vont sont partis au cinéma. Ok, bon, bah, deux fois, bon, bah, putain, ils étaient riches à l'époque pour partir au cinéma. Donc voilà, c'est peut-être débile pour vous, mais pour moi, c'est beaucoup. Voilà. C'est pas quelque chose qui coûte très cher. Par contre, c'est assez rare, mais c'est pas recherché du tout, hein, à part pour les gros cons comme moi. Mais gardez, ça, c'est un peu un intrus, tu vois. Donc voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Réellement, je veux, dans cette vidéo, si vous avez suivi tout le live et tout, vous voyez que, bon, bah, j'ai quand même fait un bon live malgré qu'il n'y avait pas beaucoup. On va dire que c'est plus un vlog live vide-grenier, quoi, que vraiment un vide-grenier en lui-même parce qu'on voit pas énormément de stands. De toute façon, il n'y avait rien, donc voilà. Mais je voudrais vraiment 100 pouces bleus sur cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Parce que je suis en manque de pouces bleus, là, dédicace à certains. Je suis en manque de pouces bleus, et puis voilà, je veux des pouces bleus, c'est tout, quoi, fais chier. Non, mais voilà, 100 pouces bleus, je pense que c'est quand même jouable. Mais la vie de grenier se font entre 1000 et 1200 vues. 100 pouces bleus, c'est même pas 10%. Donc les gars, mettez un petit pouce bleu, ça peut être bien. J'espère que le live vous a plu, complètement what the fuck. Comme d'hab, de toute façon. J'arrive à faire quand même des trucs complètement what the fuck sur les lives. Ça me prend énormément de temps, mais c'est quelque chose qui me fait kiffer les lives, réellement. C'est quelque chose qui me fait kiffer de faire le montage des lives. Donc voilà les amis, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao. Hi, I'm Kiefer Sutherland, and I want to thank you again for making 24 one of the most watched shows on television. You are the reason we make 24, and for this season we have pulled out all the stops. So, to all our fans in France, here is the world premiere trailer of our biggest season yet. This, the seventh season of 24.